Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. L'actualité du jour, c'est Saint-Gobain qui finalise l'acquisition de SIG Roofspace au Royaume-Uni. Cette opération lui permet de renforcer sa présence dans le pays et d'accélérer son développement sur le marché de la préfabrication. Les analystes de Trading Central restent baissiers, visent des cibles à 28,30€ et 25,70€. On continue toujours dans l'actualité avec Veolia Environnement. Le groupe renouvelle son contrat de collecte des déchets ménagers dans le 11e et le 19e arrondissement de Paris. C'est un contrat de 3 ans d'un montant de 50 millions d'euros. Les analystes de Trading Central restent baissiers, visent des cibles à 17,45€ et 16,42€. On passe à la stratégie du jour maintenant avec Carrefour. Graphiquement, le titre vient de casser un seuil pivot significatif à 15,30€. Par ailleurs, la moyenne mobile simple à 20 séances, elle maintient une pression négative. Pour ce qui est des prévisions, on attend alors une poursuite de la baisse vers les cibles à 13,85€ puis 13€. Pour appliquer cette stratégie, on peut se porter à l'achat sur le warrant put D3-23T émis par UniCredit, un warrant put de prêt d'exercice à 15€ et de maturité au 15 mars 2019. Et puis on termine avec un coup de projecteur sur le CAC 40. Graphiquement, l'indice parisien termine un mouvement de rebond suite à la validation d'une figure de continuation baissière, dite en triangle symétrique. En ce qui concerne les indicateurs techniques, la moyenne mobile simple à 50 séances continue de maintenir une pression négative, alors que le RSI, le Relative Strength Index, reste sous sa zone de résistance horizontale et de neutralité des 50%. Côté prévision, pour finir, on attend alors une reprise de la baisse avec pour objectif les cibles situées à 4732 et 4600 points. A cet effet, on peut se porter à l'achat sur le warrant put 6804T émis par UniCredit, un warrant put de prêt d'exercice à 4800 points et de maturité au 15 mars 2019. À la Bourse de New York, on est mardi après-midi, c'était Marie-Jean Tric pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à demain.